Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve sur Tropico pour la suite de notre petite série. Alors lui, il va encore nous proposer des trucs débiles, voilà. Du coup, je regrette de lui avoir donné des trucs à chaque fois. Critique, fantaisiste, meuble. Oui, on a quelques usines que l'on va pouvoir faire, mais là, pour le coup, on est bon au niveau des chômages. Donc on en a quelques-uns, quelques lycéens. Ah, ça commence à remonter un petit peu. Du coup, le meuble. Une usine de meubles, ça peut le faire. Ah, c'est où? C'est ici. Ça demande quoi déjà, les usines de meubles? Les habitants normaux. Mais l'usine de meubles, on va la mettre là plutôt. Donc juste à côté du bois, ce sera plus simple. Ça prend des planches en meubles. Et les planches, elles sont faites de l'autre côté. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et on avait l'usine d'électronique qu'on avait mis en place déjà, il me semble. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Programmation spatiale. Un laboratoire de recherche. Donc il y a plusieurs trucs. On avait fait quand même pas mal de stations de télé. Qu'on avait mis de façon à ce que ça convertisse les conservateurs en intellectuels. Du coup, intellectuels... Je vais peut-être faire la différence en fait. On va les mettre conservateurs, c'est gueux. L'ordière, voilà. Les mettre en conservateur. Vu qu'on a l'air de garder les conservateurs. Comment... Content. Alors, banque nationale, ça, ça fait quoi? Ça génère de l'argent. Prêt d'État, on met ça partout. Il n'y a pas assez de travailleurs, c'est fou quand même. On avait un moment on avait trop de travailleurs et là on n'en a pas assez. Eux c'est quoi? Indigent, lycée. Alors les raids, c'est vrai qu'on peut construire l'autre truc qui est ici, centre cyber opérationnel. Donc il va être notre nouveau bâtiment de raid, le dernier. Où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre ici. On va pouvoir le mettre ici. Voilà, on va le mettre ici, ça va être simple. Chocolaterie, pas assez de chocolat. Pas assez de cacao. On va faire un peu de cacao. Ça arrivera. Donc là, on continue d'imprimer de l'argent quand même. Donc c'est plutôt bien. On a quelques cahutes. Des universitaires qui sont indigents. C'est bien. Ça fait plaisir. Et niveau de l'approbation, donc nourriture on est très bien, satisfaction globale c'est bien, santé publique c'est plutôt bien aussi, les loisirs ça monte, la foi c'est kiff kiff mais ça devrait monter un petit peu plus, on va s'occuper de ça, les logements c'est mieux, le travail c'est mieux, la liberté c'est mieux aussi, la lutte contre la criminalité ça va à peu près aussi. Donc on va faire place partagée partout, on va vouloir avoir mes cloches solennelles partout. Nous partageons l'amour de la tradition, Presidente. Nous sommes seulement en désaccord sur la fin. Non, on va faire ça. Donc c'est ici qu'on va vouloir des cloches cloches solennelles un peu partout. Voilà, et elle voulait des vols en deltaplane. Il me semblait qu'on en avait déjà mis un quelque part. Un petit vol en deltaplane ici. Ça pourra le faire. Et on continue de baisser à ce niveau-là. C'est vraiment chiant. Bon, là, c'est les intellectuels qui sont pas contents. Chef de faction. Attaque rebelle. Ouais, on avait quelques rebelles. Liste des bâtiments. Politique. Donc l'opposition à 18% quand même. C'est vrai qu'on voulait changer ça, tiens. Lui, il va nous reposer. Non, c'est ça. Non, bah d'accord. Constitution. Droit de vote, on va faire scrutin ouvert. Il y en a marre. On va tous les mettre contents. Et là, ça passe du coup à électeurs. Il y en a plus, mais il y en a beaucoup qui vont voter pour nous. D'office. Route commerciale, oui, c'est vrai qu'on voulait faire de l'importation. Les
médicaments ni avoir versé des produits chimiques dans l'eau pour que la population soit plus docile. Appelez-nous pour nous donner votre avis, si vous le pouvez. On construit ça plus rapidement. Voilà. Recherche. Alors on a fini la recherche là. Je crois qu'on a tout recherché en fait. Ah non, club nautique. Mais ça, ça va être... voilà, c'est fini, ça a été recherché. Donc on a vraiment tout recherché. Tout recherché, c'est bien. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que les bâtiments de recherche, les bibliothèques, on va pouvoir les mettre en boucle non censurée. Voilà, ça émet de la liberté, donc les gens seront encore plus contents. Du coup, on a tout développé. C'est bien. Ça, ça va. Alors, on va faire le tour. Couverture médicale, on est plutôt bon, normalement. Après, ça pourrait être mieux. Couverture de la foi. Ça pourrait être mieux aussi. Bon, ça a l'air d'être un tout petit peu mieux. Non, là, y a trois églises. Trois églises et une cathédrale au même endroit. Ils ont toujours du mal. Eux n'ont pas de qualité de la foi. Parce qu'ils ont du mal. Ouais, ça devrait peut-être augmenter au fur et à mesure, ça. Je savais que je pouvais compter sur vous. On augmente la réputation des religieux. On avance un peu plus vite. Et alors l'argent, normalement, c'est bon. Hein. Tous les mois, on gagne quand même beaucoup plus. Même si ça a tendance à baisser un petit peu, mais c'est parce qu'on a construit pas mal de trucs. Nous, de notre côté, facteur 1G, facteur 2G, augmente les coûts d'entretien de 5, augmente les frais de 1, mais passage prend 2 tours. Augmente tous les coûts d'entretien de 15, augmente les frais de 3, augmente la qualité de service de 5, un passage prend 3 tours, les enfants n'ont pas le droit de visiter. Ça coûte cher. Impulsion particulière, le prix est augmenté de 1, augmente la qualité de service de 5. Ouais, on va pouvoir faire ça. Donc dans l'ensemble, ça a l'air d'aller quand même plutôt pas mal. Toi, t'as quoi? Pas de connexion routière. Ah ouais, c'est un problème. Du coup, en fait, l'usine d'électronique, ça c'est une usine d'or. Démolir, on va démolir ça, on va peut-être la reconstruire un peu à côté. Mine automatisée extrait plus efficacement les ressources du minerai d'un gisement de machin, mais pollue. D'accord, donc ça se met que comme ça. Ou comme ça, et là on va pouvoir faire une route qui vient jusque là. Voilà, donc là il sera content. Ça marche quand même. Il y a moins de travailleurs. Mais c'est plus efficace a priori. Donc pourquoi on pourrait pas faire ça partout? Ça nous coûterait combien ça? De faire tout ça partout? 99 000. La polémique fait rage sur les cellules souches. Et les botanistes des tropicaux confirment qu'ils font bel et bien des expériences sur les cellules souches. Et aussi sur les cellules branches et les cellules troncs. Pourquoi ça se casse la gueule le soutien là? C'est, ça m'a fait un truc bizarre. 99 000? Est-ce que ça se tente? Ça pourrait aller, hop. Avez-vous vu les gens qui s'échinent dans les usines maléfiques de cet homme? Ils sont pauvres et démunis, de simples rouages de sa machine. Avec votre aide... C'est chiant, ils font chier avec leur demande à la con. Droit matrimoniaux, modifier sujet de rematrimoniaux, mariage libre. Ah, mais ils sont chiants aussi, ceux-là. Exporter meubles, oui. Ah, les droits matrimoniaux, ils sont chiants parce que ça va encore nous mettre
Voilà. Qu'en pensez-vous ? On va voir le négociant. Tout est de la meilleure qualité, bien sûr. Mettre fin à la constitution. On rechange ça en mariage traditionnel. Voilà, allez hop. Vous avez fait passer la terre en premier et mais tout ouais, mais monde ouais. T'es gentille. Tu nous les brises. Donc là, dans l'ensemble, ça va. Les industriels, les écologistes, ils en ont marre, mais on s'en fout. Les industriels, ils sont super contents, par contre. Exporter beaucoup de meubles. On a une usine de meubles ici. Donc ça va le faire, ça va le faire. Pas trop de soucis là-dessus. Population. Pourquoi c'est en orange ? Hein, j'ai pas compris là. Pourquoi la population elle était max ? Et alors ici, l'autre il voulait faire des critiques fantaisistes. On va faire ça. Et alors les bâtiments. 50% de la augmente de 50% la vitesse de construction de chaque constructeur. Augmente toutes les notes touristiques, d'accord. La durée de vacances des touristes et leurs dépenses augmentent. Augmente l'efficacité des plantations et des plantations hydroponiques. Palais d'hiver. Les soulèvements cibleront le palais d'hiver au lieu du palais de Presidente. Et sinon, la Maison Blanche. Le coût d'activation et de fonctionnement du décret sont divisés par 2. Les coûts d'activation et de fonctionnement du décret sont divisés par 2. Ça peut être sympa aussi. D'avoir des gros décrets. Mais alors pourquoi ? Plus aucun migrant n'arrive, il y a trop de monde à Tropico. Ah bon ? C'est capé à 1800. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il y a des logements vacants, il y a des familles sans abri. De quoi ? Aurait-on fini ? Chef de faction. Donc il y a 8 chefs de faction, bien évidemment. Vu qu'il y a 8 factions. On va pas tous les buter non plus. Mais c'est étonnant, ça. Il y a des emplois vacants. Il y a trop de monde à Tropico. Je comprends pas. Si vous savez pourquoi il y a ça, dites-le moi, mais bon, si on peut plus augmenter, si, c'est quand même monté, plus aucun immigrant arrive à Tropico. On n'avait pas un bureau d'immigration quelque part, nous ? Caserne de pompiers, non. Mon grand-père aimait dire qu'on ne fait pas de limonade sans plantation, ni sans suffisamment de travailleurs immigrés. Un homme simple, d'une époque où tout était plus simple. Mais il n'avait pas tort, d'autant qu'il était armé. Vous aussi. Cassez-vous. Bureau d'immigration. Ce bâtiment est unique, donc on en a déjà un. Qui est là, a priori. Développement des exportations, taxes d'importation réduites, réduit le prix des routes commerciales. Impôt spécial, 1% des revenus d'exportation sont transférés sur votre compte en Suisse avec l'efficacité de base. C'est violent, ça. On va se faire des thunes. Fraude fiscale, réduit le prix des importations de 10 à l'échelle de base, ça c'est bien. Frais touristiques. Les citoyens réclament des élections, Presidente. On dirait qu'ils veulent... Allez, un petit discours, ça nous fait plaisir. Reconnaître le problème, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Tout le monde est content, on est à plus de 50 partout, on a quand même bien augmenté. Louer la faction. Quelle faction voudra-t-on louer ? Les conservateurs, on en a plus. Alors ça, c'est chiant, c'est que ça fait que de monter, descendre entre intellectuels et conservateurs. Non, aucun. Et promettre des améliorations. Il faut reconnaître un problème. À la fois. Et on va promettre des améliorations de que dalle. Pas besoin d'améliorer. Voilà, tout le monde est content. Mon peuple, bienvenue dans un nouvel âge d'or et de prospérité pour tous les tropiciens vivants. Tout cela n'est possible que grâce à votre confiance, à la confiance que vous m'accordez à moi, El Presidente. Votre Presidente sait que vous avez la foi, qu'il vous faut des endroits où prier, confesser vos péchés et faire une petite sieste avant la communion.
Dieu est partout. Bah, il n'est pas conseillé de l'adorer à l'extérieur pendant la saison des ouragans. Tropico s'enorgueillit d'un fier héritage. Il faut en remercier les conservateurs qui refusent que l'on oublie ou pervertisse nos traditions. Les traditions sont comme la colle qui huile les rouages de notre grande nation. C'est avec un cœur humble et une pensée complexe que je remercie les citoyens qui ont réussi d'avoir fait de moi ce que je suis. Je suis fier d'être votre présidente. Viva Tropico! Voilà, Viva Tropico contre Carmen Sanchez. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec... Alors, Carmen Sanchez, elle est où? Elle est là-dedans. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? On pourrait l'arrêter ou la buter. Pour rigoler. Regardons ce que ça donne. Elle a 39 ans, elle peut avoir un petit accident quand même. C'est une copine à Valls, elle vient d'Espagne. Partout où je regarde, il y a des policiers, faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Et alors le... Ça me plaisait bien, ça. Chasse au trésor, ça peut être sympa. Manipulation des marchés. Créer 10 nouvelles routes commerciales d'exportation avec un changement de prix de moins 40% pour les deux offres commerciales suivantes. Alors on va faire ça. On en a des points, la vache. La vache, la vache. Hop, ça nous en fait quelques points quand même. La guérilla attaque. D'accord. Alors après, pourquoi la guérilla attaque ici? Mais ils sont chiants à demander exactement la même chose à chaque fois. Un homme simple, d'une époque où tout était plus simple. Mais l'autre, il voulait un porte-avions. D'autant qu'il était armé. Vous aussi, présidente. Si on se faisait un petit porte-avions. Quelques citrons. Vous avez entendu ces fossiles? Il pense encore. Voilà, un petit Charles de Gaulle ici. C'est une marchandise à vendre ou à acheter. Ça, des poulets. C'est des conneries là, mais. Les ouvriers de Tropico ont déjà été trop pressés. Aidez-les, présidente. Oui, mais reste tranquille. Oui. Alors ça, en interface en normal, voilà, c'est bien. Ils sont en train de me construire tout ça, ça va être bien aussi. Et la population, on arrive à max. Alors c'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs. Alors on a 1300 lycéens, et ça c'est beaucoup trop, en fait. C'est beaucoup, beaucoup trop. Gratte-ciel hôtelier, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Hôtel de luxe, bateau de croisière, logement de haute qualité, les invités doivent être riches ou plus. C'est vrai qu'on pourrait faire un peu de loisirs, enfin de comment, de tourisme, mais c'est pas forcément super utile. Après on peut augmenter ça aussi. Donner un peu plus d'efficacité à tous les bâtiments. Ça devrait améliorer les religieux qui sont à 37 encore. Pourquoi ils sont à 37? Modificateur de réputation. Porte-avions moins 5. La légalisation de la drogue. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est dans les décrets, non? Légalisation de la drogue. On va l'enlever. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place?
Diversité culturelle augmente le taux d'immigration de 10%, augmente les notes touristiques, culturelles, paradis fiscal augmente les revenus de tous les bureaux et bureaux offshore de 15%, diminue votre réputation auprès des superpuissances. Ouais. L'intégralité augmente la vitesse des véhicules, ça coûte par mois, vaccination obligatoire, rejet en mer, politique de la détente. Réduit votre réputation auprès des conservateurs de 15, se décrète un délai de réutilisation de 1-1-1-1. Traité commercial des Caraïbes, crée une route commerciale d'exportation aléatoire vers chacun des partenaires commerciaux des Caraïbes, augmente la satisfaction dans les Caraïbes. Interdiction de la contraception. Ah ouais, non, guerre froide, tri des déchets obligatoires, réception de l'ambassadeur. Viande heureuse. Réduction d'impôts, augmente l'approbation de tous les citoyens, alimentation alternative, on s'en fout, dictée de machin. Liberté diminue, fête nationale. Augmente l'efficacité de tous les bars à cocktails et les tavernes, diminue la lutte contre la criminalité de 8, diminue la réputation de la faction religieuse. C'était mieux avant, diminue la réputation de machin et augmente ça. On manque la réputation. Bon allez, on va faire ça. Ils aiment bien en général. Et on est en train de convertir de toute façon les intellectuels en conservateurs et les religieux en militaristes. Petit à petit. Donc ça pourra le faire. Par contre, je vois pas pourquoi, ouais, 1800, c'est la... Pas assez de... Si, c'est bon, ouais, on est pas ouf au niveau du... Ouais, 1800, c'est le maximum. Donc c'est vraiment étonnant. 1800 ce soit vraiment ce maximum là. On peut monter ça un tout petit peu, ça suffira. Je sais pas pour vous, Presidente, mais je me suis réveillé ce matin avec l'envie pressante de gagner de l'argent. Et moi aussi, moi aussi. Je me suis réveillé ce matin avec l'envie pressante de gagner de l'argent. Traité commercial des Caraïbes, ouais, on peut le faire ça. C'était où? C'était là. Connaissez-vous les secs? Hop. Notre argent travaille, président. De l'exportation, c'est vrai que le commerce, on peut faire un peu plus de commerce. Acheter une licence commerciale, acheter une licence commerciale et acheter une licence commerciale. Voilà, alors on voulait un peu d'importation avec l'Europe pour les mettre contents pour une fois. Ouah, chocolat, plus 32%, mais c'est violent. Joaillerie, moins 12%. Ça, c'est mieux par contre. Signer le contrat. Mais on va exporter des appareils électroniques. Non, qu'est-ce qu'on pourrait exporter? De la joaillerie. On a quoi comme route commerciale courante? Joaillerie, non. Cigare, nickel. Les États-Unis, ils veulent pas quelque chose? Des voitures. Ça peut être pas mal ça. 4500 voitures. Allez, on va exporter tout ça. On peut exporter plus de trucs. Des appareils électroniques, du cacao. Du chocolat, un cacao, pourquoi pas. Mobilier, non. Tissu, viande, tissu. Tissu, c'est pas ouf, on va pouvoir en exporter un petit peu aussi. Voilà, on exporte tout ça. Et on a fini tout ça. Constitution, on peut continuer. Politique, il nous manque deux postes, tiens. Augmente le nombre d'élèves dans les lycées, machin, non, 10%. Candidat intellectuel. Produit 50 points de connexion supplémentaires chaque mois par université et par lycée. On s'en fout. On n'en a plus besoin. Et seuls les citoyens aisés, riches ou richissimes ont accès à l'éducation. Non, on va faire ça. Les religieux, tiens. Nommer un ministre. Et non, en fait. Non, 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 non. Mince. C'est ça, militariste. Je dis que les religieux, on en voulait de moins en moins. Ministre de l'économie. Alors, construction des bâtiments, budget, augmente 50 points. Allez, on va. Plus de sous pour nous. Ça fait plaisir. Bon, là, dans l'ensemble, ça va à peu près. Le monde est un lieu étrange. La bonne blague. La bonne blague. Allez, là-dessus, on va s'arrêter. Elle fonce sur les autobus scolaires pour... Oui,
Et je suis sûr que les bons citoyens de Tropico voteront pour vous, président. Non, pas besoin. J'ai combien voté pour vous plusieurs fois moi-même. C'est gentil, mais pas besoin. Allez, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Tapis de bombe, frappe de précision. Non, c'est bon. Voilà, on va faire ça comme ça. Et on se retrouve donc demain pour la suite, mais je sais pas si on ira beaucoup plus loin que la fin de la semaine, parce que si on ne peut plus augmenter la population. Merci, merci. Si on ne peut plus augmenter la population, bah ça ne va pas nous servir à grand chose. Voilà, allez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode, et on se retrouve donc demain pour la suite, sûrement. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien, salut !